Les amis téléspectateurs, Journal Nefio, nous déjà dans l'espace côté hôtel intérêt président Jovenel Moïse, c'est dans la cour résidentielle qui est ouverte dans la zone route SOS pour Cap-Haïtien, pour Madeleine, comme dit comme ça. Eh bien, les préparatifs sont déjà à fait là pour capable rendre hommage à l'ancien président Jovenel Moïse. Donc, je vais vous montrer dans l'espace là. Nous trouvons là. Là, après l'espace côté de la la dernière image, c'est un jeu pour nous. Ce matin, là, les parties sont déjà faites. Nous pouvons montrer nous côté exactement président, ancien président Jovenel Moïse, lui-même était enterré. Qui a fait là. Il y a des arrangements qui ont fait matin là, de très tôt, pour rendre hommage à l'ancien président Jovenel Moïse. Espace ça, c'est côté cadavre là, il était exposé. C'est là. Préparatif qui a fait matin là. C'est matin là, préparatif qui a fait. Tout à l'heure, pour gagner une messe de requiem en mémoire ancien président Jovenel Moïse. On a avancé pour nous arriver exactement côté enterré ancien président Jovenel Moïse là. C'est là. Cadavre tombeau ça n'a pas gardé l'autre bois là, c'est côté où t'es enterré papa ancien président Jovenel Moïse là, et ici c'est côté où t'es enterré ancien président. Si tu as fait la matin là. Bien, dans la deuxième ville pays d'Haïti au Cap-Haïtien, Journal Nef, nous, quand Jean-Noël, ça c'est espace côté, il y a préparatif là, à arranger pour capable gagner un messe de requiem tout à l'heure comme ça, dans l'espace là, en mémoire, ancien président Jovenel Moïse qui était assassiné le 7 juillet 2021, je vous dis, c'est 7 juillet 2022, c'est exactement un an, c'était un moment comme ça, pays a été vraiment en tristesse après annonce nouvelle la mort ancien président Jovenel Moïse. Cap-Haïtien Guino Duvernay pour Journal Nef et
pas oublier rester connecté Journal 9 pour gagner toutes dernières informations sous activité si là pour jeudi à la.